France. Elle sait pourquoi, je sais pourquoi. Elle ne peut pas me ramener en France, donc ce n'est pas elle qui m'a ramené en France. Ce n'est pas elle qui a, qui m'a ramené en France. Et c'est pas elle qui a payé, elle a rien payé, elle a rien fait, c'est pas elle. La personne qui m'a ramené en France, elle habite dans le 14e arrondissement. Elle est en France, elle est ici, elle va très bien, et c'est elle qui m'a ramené en France. Donc il faut qu'elle arrête de mentir, ça va 2 minutes. Et ma belle-mère, elle veut toujours que oui, on fait oui. C'est pas grâce à elle que je suis venue en France. Quand je suis venue en France, elle me détestait. La première fois que moi et ma belle-mère on s'est embrouillé, j'avais déjà raconté cette histoire dans mes vidéos. La première fois qu'elle et moi on s'est embrouillé, elle m'a pris ma tête. J'avais 8 ans, je venais d'arriver du Mali. Elle a pris ma tête comme ça, elle a cogné contre la table en verre. Mon nez ici, j'avais du sang qui coulait de partout parce que j'avais mal nettoyé la table. Elle me détestait. Elle me détestait. Comme elle-même, elle a dit, je t'aime pas, je t'aimerai jamais parce que j'aime pas ta mère. C'est ses propos à elle. C'est ce qu'elle a dit le jour du mariage. Elle a dit, je t'aime pas, je ne t'aimerai jamais parce que je n'aime pas ta mère. Donc je répète, que ses propos à elle. Elle a voulu lui demander de venir faire des vidéos, de se justifier. Moi, je peux me justifier. C'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il dit ce qu'il veut. Il peut continuer à faire ses vidéos, à rechercher ses cas, à continuer à polémiquer dessus. Moi, je ne peux plus polémiquer dessus. C'est fini, c'est terminé. Parce que je rentre encore plus en détail et j'ai pas envie de faire ça. Et j'avais dit... Voilà, je n'étais même pas sûr d'en parler parce qu'on m'avait dit ne pas répondre parce qu'il y avait déjà des choses qui commençaient à être faites. Donc, on m'a dit de ne pas répondre, de pas venir dessus. Mais vu que les gens ne vont pas arrêter, là, j'ai donné mon explication. Pour moi, c'est fini, c'est terminé. Je ne veux plus jamais le répondre. Pourquoi tu mens comme ça, Awa? C'est quoi ton souci? Mais t'es complètement malade. Non, laisse-moi parler. T'as fini comme ça. Tu sais pas à quel point ta Tifanto elle pleure. Tu sais pas à quel point tes frères et sœurs pleurent. Tu sais pas à quel point nous on les crie déjà. Ça fait descendre son cousin. Et comment ça s'appelle? Il faut que mon frère il arrête de m'appeler. C'est un gamin. Il crie pas sur moi comme ça. Non. Tous les deux on se fait comprendre. Venir crier c'est trop facile. Awa, elle venait chez moi. Moi, c'est moi qui dressais Awa, ses cheveux. Elle venait chez moi les week-ends. Elle venait passer les week-ends chez moi. On a tout fait pour Awa. Elle a dit que c'est pas ma soeur qui l'a fait venir en France. C'est ma soeur qui l'a fait venir en France. À l'époque, ma soeur n'avait pas sa nationalité française. Elle avait que la carte de séjour. Les réseaux, c'est supposé. Non, c'est pas pour son enfant. Hein, parce que t'as dit que son mari, c'est un pervers. C'est ça qui l'a énervé. Mais c'est la vérité. T'as dit que son mari était un pervers. Son mari était un sale pervers, comme t'as dit ça. C'est pour ça qu'il est frustré là. Elle est frustrée. C'est obligé d'en parler sur le réseau. C'est sûr. Bah, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. J'ai pas inventé, j'ai pas menti, c'est la vérité. Ça s'est vraiment passé. J'aurais pas menti pour ça. Ils ont voulu ça, ils assument maintenant que que ma belle-mère l'a rejoint avec son fils. Ils sont 3 contre moi. Même plus, j'accepte les bibis. J'accepte, il n'y a pas de problème, moi j'accepte. Je suis d'accord. Mais Dieu sait la vérité. Et vous...